pépette aux autotamponneuses. Elle avait la 7 et moi j'avais la 12. La sienne elle était verte et la mienne était verte aussi. Elle était bonne, la pépette, et c'était son métier à aider boniche. J'y ai dit, tu viens souvent aux autotempreuses. Elle m'a dit qu'elle venait souvent, ça la rendait joyeuse. M'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Est-ce que tu me demandes ça? On est allé boire une gueuse près des autres tempeleuses. Elle avait l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune. Elle était pas vraiment bêcheuse, elle était pas du tout affreuse. Moi, j'avais les idées délicieuses sous mes cheveux jaunes. Allons-y, roulez, roulez, petit bolide. J'ai offert à Pépette un tour d'auto-tempreuse. Elle a gardé la 7, moi j'ai repris la 11. Le patron de l'auto-tampon qui était très gentil. Comme musique de fond, il nous a mis jolis. Pendant qu'on y le chantait, les portes du pays sortaient. Les petites autos tournaient et tournaient et tournaient. Oh. Et moi je faisais exprès de cogner dans Pépette. Paf! Même qu'un coup sans faire exprès, elle s'est foulée la tête. Aïe. On est allé voir une gueuse près des autres tempeleuses. Elle avait l'air bien moins heureuse dans sa robe moche. Elle avait l'air moins amoureuse. Elle m'a dit d'un air songeuse, faut que je rentre chez ma logeuse. Quelle catastrophe! Près des autotampons. Je lui ai demandé, mais Pépette, est-ce que c'est ton vrai nom? Elle m'a dit, ce que t'es bête, c'est mon surnom, pauvre con. Mon vrai nom, c'est Zézette, mais ça fait un peu long. On a mangé ensemble une glace au chocolat. Elle a pris framboise et moi j'ai rien mangé. Je voulais une glace à la viande, oui mais y'en avait plus. Ou alors viande hachée, mais ça coule le long du cornet. On est allé boire une gueuse près des autres tamponneuses. J'ai trouvé sous la gueuse sa robe trouée. J'y ai dit, tu sais, petite pisseuse, je vais faire les autres tamponneuses. Toi, t'es pas assez luxueuse, mais dis-moi, quelle heure qu'il est? La la la, la la la, la la, quelle heure qu'il est? La la la, la la la, la la, quelle heure qu'il est? Roulez, roulez, petit bolide. On arrive, on s'amuse à Disneyland. Le numéro 112 gagne un E.T. gonflable ou un magnétoscope en carton. La petite Delphine attend sa maman aux côtés du centre de Merguez. Attention, le propriétaire de la 504 Pigeon immatriculée 4012 QQ75 est prié de la déplacer à Jeanne Autocar, une partie communiste.
Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka dedans. Allons-y, jeunesse, on rit, on s'amuse. La personne qui a perdu son portefeuille en cuir est priée de le rapporter.